Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de War Tales. La dernière fois on avait... Alors... On va s'éloigner du... De la loi. Si on a encore des objets volés. La dernière fois alors on a récupéré une nouvelle épée. Qui est violette. Et qui peut être améliorée et tout ça, c'est une épée antique. Qui avait été récupéré dans le temple. Vraiment très très content en fait de ce système là. La prochaine... Alors ce que je voudrais faire c'est aussi combattre des trucs dans la nuit là. On est à l'aube. Bon bah ça sera pour plus tard. J'ai vu les bandits par contre. Et on a découvert aussi que les sangliers peuvent devenir gras. On a eu vraiment des trucs cool la dernière fois. Okay. J'ai l'impression qu'on peut pas sauter sur les gens, genre de la forêt sur la route par exemple. On peut pas faire d'embuscade comme ça. Les embuscades elles sont que en forêt. L'agressivité du chef, c'est les critiques. Le chef, c'est là. Ouais. Solitude. Yes, maintenant on contrôle vraiment tout le monde. Maintenant on contrôle vraiment tout le monde, ça pète. Alors... Ouais, c'est vraiment vraiment cool. Donc le poney maintenant il risque plus rien au contraire. Alors, toi c'est toi qui as l'épée spéciale là. Frappe de la gloire éternelle. Alors, on avait mis c'est Taurus qui a le. Le chloroforme. Ah, maintenant on peut mettre tout le monde où on veut en fait. Y'a que elle là qui est chiante. Défendre. Je vois pas pourquoi je me prends autant la tête pour. Des gens qu'on va sûrement one shot. Pas mal. Alors, chloroforme, c'est Taurus qui a le chloroforme. Je vais voir. Ah, ça a loupé. Ça a loupé. Si je mets... Putain, c'est vraiment cool de pouvoir jouer n'importe qui. Qu'est-ce que c'est bien. Mener à la part... Encerclé. Ah, t'es toujours à 60% même encerclé. Tiens. Faut que la nouvelle épée, elle est un peu de sang. Hein. Faut qu'elle ait un peu de sang, la nouvelle épée. Très bien.
se mettre là. Cri de ralliement, fureur, qu'est-ce que je peux faire? Déstabilisation. Ah mais c'est le chef, on peut pas les... Mais je suis con. Bon. Et oui, c'est le chef, on peut pas les attraper les chefs. Un peu débile de ma part. J'essayais de l'entourer et tout, mais au final ça sert strictement à rien. Ça sert à rien. Alors, baladons-nous dans les bois. Alors, on voudrait aller... Tiens, on va aller en haut. Voir s'il n'y a pas des loups, des trucs comme ça. Ah, si jamais on trouve des loups, est-ce qu'on les prend avec nous, les loups? Parce que les loups, ça peut être pas mal. Les loups font du saignement, en fait. Et maintenant, on peut les diriger, on peut les contrôler. Donc, du coup, ça augmente vraiment leur potentiel. Les loups, ce qui est bien, c'est que... Quand on... tape quelque chose, on fait automatiquement saignement. Et ça, c'est intéressant, ça, en fait. C'est vraiment très, très intéressant d'avoir saignement. Genre à 100%, comme ça. Enfin, quand on tape quelque chose sans armure, pardon. J'ai oublié de préciser. C'est quand on tape quelque chose sans armure. Ok. Là, on a un camp de bûcherons, on va récupérer du bois. Ah. C'est quoi ça? C'est des ours? Là, il y a des trucs. Ça aussi, c'est bien qu'on puisse les voir sur la carte. Du bois. Ah, putain! Ah, tiens! Ça refait le truc. Ouais, non, on a eu quand même beaucoup moins de bois. On a eu quand même beaucoup moins de bois. Attends, c'est quoi ça? C'est des loups. Il y a deux alphas. Parce que maintenant, ouais, je me demande, est-ce que prendre au moins un alpha serait pas intéressant? Les alphas, ça devrait être bon. On peut les capturer, je pense. Parce que t'as le loup normal. Fais voir, alors, le loup normal, ça fait juste une morsure. Par contre, il y a ça. Chaque attaque effectuée contre une unité sans armure lui applique saignement. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Ça consomme 4, par contre. L'alpha, il doit consommer beaucoup plus. Alors, coup critique assuré si la cible saigne. Ouais, c'est ça qui est intéressant, en fait. Chaque attaque effectuée contre une unité sans armure lui applique saignement. Donc, rien qu'avec ça, on fait du saignement. Puis après, quand il croque, il fait du critique tout le temps, quoi. Ils ont aucun trait, hein, les loups. Ils n'ont aucun trait. L'autre alpha est là. Consommation quotidienne, c'est 8 au lieu de... Bon, ça aussi, c'est l'alpha. Au lieu de 4, ouais, c'est 2 fois. Mais bon, j'aime bien le critique, en fait, sur le saignement. Puis après, nous on a les animaux qui font des critiques au genre par exemple notre lait, elle fait du critique quand c'est engagé. Ouais.
Je pense qu'on va essayer de prendre un... Je pense qu'on va quand même essayer de prendre un... Un alpha. Ça va coûter un peu plus cher en nourriture, mais... Mais je pense que ça peut être pas mal. Genre ça. Par contre, du coup, toi, tu peux peut-être m'aider. C'est qui va jouer en premier? C'est toi là-bas dans le coin, et après c'est toi là-bas. Les brûler. Peut-être les brûler, ça peut être, ça peut jouer en notre faveur. Attends, Méné, tu vas te mettre là pour jamais, si on doit jamais, si on doit arrêter le feu. Défendre. On va jouer avec le feu. Je suis pas très fan non plus, mais... Je pense que ça peut aider. Non, là, on a un alpha avec ça. Très bien. Oh! Il y a des gens ici aussi! J'avais pas vu! Hey Graham! Oh, j'avais pas du tout vu. Oui, je me disais, c'est vrai qu'il manque des gens. C'est vrai qu'il manque des gens. L'alpha qui va venir et qui va foutre le feu à tout le monde. Ah putain, je les avais pas vus eux. On va bloquer avec l'ours. On va se mettre là, comme ça on peut se mettre à côté de lui. Voilà, très bien. Il peut faire courroux. Le feu se propage. Après, on pourrait faire blocage avec genre quelqu'un et on le soigne en fait continuellement. Ça peut être une idée aussi. Non mais j'ai plus de mouvement là. Faut que je me mette devant. Ouais, faut que je me mette là. On peut se mettre devant. Ou là peut-être. Quoique du coup j'expose mon dos. Peut-être une connerie. Moi, j'ai rien dit. Prochain, bah, c'est lui. Prochain, c'est quoi? C'est lui. L'ours, il va tanker. Ou alors Torte va tanker, peut-être. Hmm.
On va peut-être s'occuper du loup là. On a un alpha qui est en feu. Non, on avait deux alphas qui sont en feu. Ouh, ah, on va peut-être les tuer. Fait chier. J'ai pas trop pensé à ça. Pourquoi on peut pas... Ah oui, non, ça c'est parce que j'ai un sanglier. Oh, on a eu des éclairs et tout. Yes, nickel. Ah, ça tue. Elle, c'est quoi la portée? Est-ce que là, il y a deux cases? Toi, c'est quoi? C'est une case et demie? Genre, si je me mets derrière, je peux pas aider, je crois. Par contre, si je me mets sur le côté, genre là, ça marche. Bon, par contre, elle est exposée. On lui enlève le saignement. On pouvait pas les attacher. Suis un peu perplexe. Oh mon dieu, non, le feu. Ah, on avait dit hein, que le feu c'était un peu un problème. Il va prendre feu, mais c'est pas grave, lui il peut s'échapper. Là, quoique non, c'est le tour de l'ennemi. C'est pas mon tour. C'est pas mon tour. Elle peut pas vraiment aller nulle part. Tiens, prends ça. Je sais pas. C'est qui joue en premier? Ah, c'est toi. C'est l'alpha, ça. Y'a qu'à faire ça, ça libérera des gens. Tu vas nous tanker le loup en feu. Protection. C'est Witt qui peut soigner. Il n'y a que elle en fait qui peut soigner. C'est un peu embêtant, là on est mal mis en fait pour pouvoir
pour pouvoir capturer les loups. Je trouve qu'on est très 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 mal mis. Ça, donc, ça peut bien critiquer. L'unité gagne fureur. L'unité déjà engagée, elle gagne acharnement. Ah, c'est comme ça que ça marche, acharnement. Ouais. 65 de dégâts. On peut faire un passage là. Enfin, quoi que non, en fait. Faudrait tuer lui. Enfin, faudrait tuer les deux, en fait. Il faudrait qu'elle, elle puisse passer pour qu'on... Ah non, ça va, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Mais c'est l'alpha. Ok. Ah, c'est un peu compliqué là. Là, en fait, le terrain est un peu bordélique et le feu, j'avoue que ça aide pas. J'avoue que c'était peut-être une connerie de mettre du feu. Mais bon, après on les tue très vite, hein, dans un sens. Hein. Ça les tue plus vite que d'habitude. Hein. C'est juste que... pas vraiment censé se passer comme ça, quoi. Lui fait des dégâts de fou, maintenant. Qu'on va avancer. Le feu s'estompe jamais par contre. Ça c'est peut-être un peu abusé je pense. Enfin, je trouve, non? Voilà. Alors je vais voir si on peut... Alors c'est qui qui a... C'est Taurus. Hein. Quelle chloroforme. Non, non, annulé. Putain. 74. Désolé. Donc du coup, ça serait pour le groupe entier, en fait, je pense. Je pense que si tout le monde l'a, si tout le monde l'équipe, ça marche pour tout le monde. Genre la semaine et demie augmente de 15%. Ouais. Bon. Un alpha.
Yes, ok, ça. J'ai cru que ça avait pas marché. Très bon. Ah, on en a 200 d'écrou, ça y est. On peut récupérer un truc intéressant chez les gens là. Torte aussi, la plus chère. Elle, ça va. Le sanglier, on s'en fout. Alors, l'alpha. Alors, il est carnivore, élevé par des sangliers, augmente de 3. La volonté augmente de 3 tant qu'il est adjacent à un sanglier dans le camp. Ça va me tuer ce jeu, ça me fait marrer à chaque fois. Le truc, il est élevé par des sangliers. Bon, bah, il va se mettre à côté de l'allée dominante. C'est marrant, ça. Ça fait comme si c'était des meilleurs amis, quoi. C'est incroyable ce jeu. Et rapide. Incroyable ce jeu. Alors fais voir. Alors s'il y a au moins 3 loups dans la troupe, le critique de cette unité est augmenté de 50%. Ça c'est intéressant, mais on va pas... On va pas jouer loup en fait. On garde l'ours, on garde l'allée, parce que c'est une sorte de semi-tank. L'ours, c'est un gros bourrin de fou. L'allée, c'est un semi-tank. L'allée, à la limite, c'est peut-être la moins intéressante. Enfin, non, si, elle est bien, parce qu'elle peut être assignée à un feu de camp et tout. Après, elle pourra récupérer des champignons et tout. Non, non, ça va, elle est intéressante. Mais l'ours reste le mieux. Je suis en train de faire un peu un compte-rendu, en fait, des animaux. Puis en plus on peut l'utiliser dans le camp. Là on a quoi? Donc là on va pas récupérer trop de loups parce que c'est pas vraiment très intéressant. Ça m'intéresse pas. Là on a tant que cette unité est non engagée et adjacente à un allié, elle gagne fragilité mais confère protection à cet allié. Ah ok. En plus, ça c'est intéressant, je suis d'accord, mais vu qu'avec le saignement, on peut avoir du 100% crit. Voilà quoi, c'est moins intéressant. Ça c'est intéressant, donc elle gagne fragilité, mais elle, elle donne protection. Elle a beaucoup de vie de base, 52, c'est pas des masses. Hein. Donc elle resterait avec, avec le tank en fait. Ou enfin, qui que ce soit, quoi. Enfin, l'ami des bêtes, quoi. En gros, on la met avec n'importe qui. C'est intéressant. Je vais peut-être prendre ça. De toute façon, on n'aura pas d'autres. On n'aura pas 3 loups plus. Hein. Donc, au moins, on a ça. Alors, chaque fois que cette unité tue un ennemi, elle se soigne de 50% dans sa santé maximum. Ouh, régime carnivore. C'est bien ça. Lécher ses plaies. Cette unité soigne 30% de sa santé maximum et se retire tous les malus. Oh, un soin. Et on peut, ça enlève du coup poison et tout ça. Ça, ça tue. Si votre troupe est attaquée en plein repos, elle ne subit pas surprise. Et cette unité gagne galvanisation. C'est bien. Chasseur né, cette unité a une chance d'attraper du gibier pendant le repos. Ça tue. Ok, regarde. Ça, ça va être notre pote. Ça va être notre pote. Alors, fais voir. Transport. Donc toi, on peut te mettre un truc. On n'a rien, hein. Faut qu'on dorme aussi. Alors toi tu me dis que il faut que tu sois à côté d'un sanglier, volonté 13.
Follow T16, ok. Ça va, c'est cool. Je crois qu'il va nous falloir... ça. Alors, un truc qui serait plus logique... Ah oui, mais les fers à cheval, ça fait débile de mettre des fers à cheval sur un alpha. Du coup, on peut faire ça. Voilà. Pour l'instant, le chien... hein, il fait le chien. Le chien domestique. Hein. C'est super drôle le fait qu'il soit élevé par les sangliers. Je trouve ça drôle. Je me demande si c'est par rapport à ce qu'on a. Ou alors c'est juste comme ça au hasard. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment fun. Je pense qu'on est bon. Juste à dormir, manger, dormir et hop, c'est bon. Ouais, on a 4 maintenant carnivores. Mais bon, en fait, maintenant on fait des repas et tout. Il nous faut du sel aussi, on a du loup à manger. Si je fais ça, 67. Je mettrais bien une boisson, mais comme j'ai dit, je préfère les garder de côté, les boissons. Voilà, très bien. Je pense que c'est un bon repas. Donc le truc, il va chasser pendant les campements et tout. Ça, c'est bien parce que, à la limite... On pourrait même faire en sorte d'en avoir plusieurs. Ça, si on veut, après moi, c'est pas, c'est ce que je vais pas faire ça, ce que je veux pas. Mais on peut avoir genre vraiment plein de loups et ils vont récupérer du coup des gibiers et tout pendant les repos. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que tu veux, toi? Encore un peu, je vais me faire un nom. Même la Légion voudra embaucher une guerrière comme moi. Ouh, 50, accueillir ses progrès avec humilité. Écrire de l'expérience. Écrire aux proches et célébrer. Relation avec les compagnons. Ouais, mais Warrington, t'es pas très proche des gens. Je dirais pas non pour, pour l'influence. Après l'expérience. Ouais, non. Non, l'influence. On est à l'aube. On va continuer. On a quoi? On va encore se balader un peu, je pense. Parce que je voudrais bien se balader. On va peut-être faire comme ça, là. Aller au danger, là. Par contre, il y a le sanglier. On va devoir se le faire au bout d'un moment, là, quand les vivres commencent à maigrir. Ça aussi, c'est vrai qu'en fait, les sangliers, on peut les garder pendant longtemps. Et après, enfin pendant longtemps, dans un sens, c'est un peu du gâchis si on les, là, on les garde pendant très longtemps. Mais ouais, ça fait plein de nourriture en fait qui se balade. Ok. Et on est parti avec notre nouveau compagnon. Plante. Plante de froid. 4. C'était pas 2 normalement. Alors, fais voir un peu ici. Je crois qu'on a tout fait. Mais bon, on va voir. Bah ouais, il y a un truc qu'il faut absolument qu'on fasse, c'est faire du combat de nuit, là. Qu'on voit un peu comment on récupère des loups encore. Encore des loups. Qu'est-ce qu'on fait encore avec des loups? Est-ce que récupérer 2 alphas, ça vaut le coup ou pas? Enfin, récupérer 1 alpha. Parce que nous, en combat, on a un ours, un sanglier et un alpha.
Là, on avait vu que l'alpha. Tant qu'il est non engagé, possession gagne fragilité, mais confère protection à un allié. Mais après, ça fait quand même un peu cher en nourriture. Okay. Bon, ils sont tous au même endroit. Ça va brûler. Défensif. Notre petit sanglier, on va le laisser là. Notre ours. Attends, ils sont où les gens? Ok. Hop. Hop. Pas mal. On peut peut-être les brûler un peu en arrière là, parce qu'ils vont se brûler les uns les autres et faire des dégâts. Et après on bloque avec l'ours et Thor par exemple. On fait une ligne, une défense. Et là aussi on fait une défense. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être pas mal. Il peut pas passer, donc il essaye de faire le tour. Ah, il a enlevé. What? Pourquoi il brûle pas? C'est intéressant tout ça. L'ours. Attends, ça fait quoi? Si cette unité est déjà engagée, elle gagne acharnement. Ah ok, c'est après. Okay. Parce que maintenant, j'ai pas l'habitude de jouer les animaux, donc faut vraiment que je regarde bien ce qu'ils font. Ami Kirik ici. J'adore cette musique. Très bien. Très bien. Ce sera lui. Il va sûrement foutre le feu aux autres. Mais je pense pas qu'il peut accéder à l'ours. Donc du coup, ouais. Alors Will, tu vas nous faire une brochette. Peut-être qu'on va tuer... Non, là il va pouvoir accéder comme ça si on tue lui. Oh, c'est pas bon. Ça va les dégâts critiques quand même, putain. L'alpha, faut qu'il s'amuse. L'alpha, il est pas soigné, donc il va pas pouvoir faire de critique.
Donc ça, ça marche comment? Ok, donc je me mets comme ça. Hop là. Réduit 30% d'unités engagées adjacent à lui. Ok, supporté. Donc il a moins 50% de... Ça va. Ça va, c'est bien ce système. Je trouve ça intéressant. Je pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit. On se gêne les uns les autres. On pourrait assommer, récupérer un autre loup, mais j'ai pas envie. Oh, le bruit qu'elle fait, cette épée, c'est sympa. Ah, j'aurais pu tuer l'alpha, je suis bête. Oula, saignement et brûlure, ça c'est chaud quand même. Voilà, très bien. Alors, on va faire... Comment ça, je peux pas soigner? Ah, parce que je suis engagé. Comme ça. Hop, j'ai pas envie qu'ils prennent trop cher parce qu'à chaque fois ça fait des gros des dégâts de fou en fait. Voilà. Bon, enlever le feu. Très bien. Kiré, oui, c'est amélioré. Débloquer le trait social. Faut que j'attende que l'autre vienne, qu'il y a du feu en fait. Voilà. Très bien. Sans vergogne. Combat en bassin de 20%. Ok.
Camouflance après un combat mené en embuscade au cours de la partie. Ça, c'est cool. Ah, c'est très cool, même. Alors, niveau 5. Alors, chaque fois que cette unité attaque dans le dos, elle applique 2 poisons. Après avoir utilisé une compétence, afflige 6 dégâts à un ennemi le plus proche dans un rayon de 4 mètres. Au début de chaque round, applique fragilité à l'ennemi le plus proche pendant un round. Ah. Nous on a quoi? Nous on a... son tour dans adjacent à un ennemi. Après on a l'écran de fumée du stratège. L'écran de fumée, ça pousse les gens à attaquer, ça c'est vachement bien. J'aurais bien voulu peut-être tester la fiole de poison, ça a l'air pas mal aussi, personne. On applique 3 de poison à toutes les unités dans la zone, ça a l'air intéressant. Double le poison de toutes les unités dans la zone, oh la vache. Sang froid, dégâts des attaques dans le dos augmentent de 20%. Applique aveuglement à tous les ennemis dans la zone. Quand l'unité se fait engager, 100% de ne pas se faire engager et d'effectuer une attaque d'opportunité vers l'attaquant. Oh, l'unité peut passer à travers. Alors, je pense que lui, on va en faire un... effectue 2 attaques supplémentaires. Putain, on va peut-être prendre frénésie à la place. Ce embuscade effectue 2 attaques supplémentaires. Se déclenche quand cette unité attaque par derrière un ennemi engagé. Ah mais c'est 2 points. Non mais l'écran de fumée c'est très bien. Alors je pense... arme empoisonnée. Le poison il peut se cumuler donc c'est ça le truc. Après avoir utilisé une compétence, j'inflige 6 de dégâts. Ouais, en plus on a une... on a remarqué quand même que la dague, la dague avec la compétence empoisonnement, c'est quand même pas mal. Mais plus tard on va sûrement changer de dague et bah, du coup on va avoir autre chose. On va pas avoir une dague empoisonnée quoi. Donc là si on peut choisir de tout le temps faire du poison, en plus c'est 2 poisons. Cumulable jusqu'à... cumulable actuellement, actuel 5%. Ouais. Je dirais ça, ouais. On va en faire un spécialiste dans le dos, en fait. Un vrai... Après, on aurait peut-être dû faire ça. Mais bon, comme j'ai dit, l'écran de fumée est vraiment sympa. On prendra sang froid. Et sûrement inarrêtable. Je pense. L'ours aussi vient de monter. Ah, ça y est. Alors... alors les combats dans la forêt, on le fait pas vraiment. Plus galvanisation, c'est quelque chose qu'on peut récupérer nous-mêmes. Donc c'est pas trop important. Donc ouais, maître pêcheur, vous avez une chance d'attraper des poissons en marchant près des cours d'eau. Donc ouais, maintenant ça m'intéresse. Ça m'intéresse... on est un peu limite ce niveau là. Niveau poids. La tour abandonnée, le refuge, ça on y est déjà allé. Là on a des plantes, on a quoi? On a 4 jours de nourriture. On a encore de l'argent. Oh, il y a un truc de rat ici. Est-ce qu'on peut y aller? Ouais, on peut y aller. Ah, attends, je peux pas. What? Ok. Invasion de rats. Est-ce que je peux... ah, on est plein. Chier.
Attends. Je sens qu'on va mettre notre transport sur lui là. Ah, je dis pas que les fers à cheval c'est pas bien. Hein. Après on pourra le changer de toute façon. Donc là, on a encore des rats à tuer. Les rats, vous vous rappelez, c'est spécial hein, quand même. Donc il faut du feu et tout. C'est pour le mieux. Plus ils apparaissent par pack. Donc on peut les combattre. Mais plus on tue les choses dégueulasses là. Le mont Altis. Plus on récupère. Territoire indépendant, mont Altis. Plus on récupère des ressources, donc j'ai pas vraiment envie de le combattre maintenant. Si jamais on n'est pas assez puissant pour détruire pas mal de choses en fait, vous voyez ce que je veux dire? Parce que plus on détruit des choses et plus on a de l'expérience, enfin plus on a des objets en récompense. Donc moi ça m'intéresse plus de faire ça quoi. Donc on peut peut-être attendre un peu. Par contre, il faudrait soigner l'alpha, sinon... Mais enfin, si on fait ça, on s'équipe à fond. Hein. On se buff à fond. Toujours pas de sel. Il faut du sel partout, quoi. On va verser... Ça, 9... Ah. Ouais, c'est parfait. C'est parfait, les carcasses c'est pour les animaux. Je pense qu'on est bon. Là on est dans une nouvelle forêt. En poids 184, j'ai vu qu'il y avait sanglier là. On peut attaquer des sangliers, ça nous fait des encore de la bouffe en plus. Peut-être en oh, ours vient de pêcher 3 sardines, c'est ouf. C'est vachement bien. Il y a un truc intéressant, c'est que je pense qu'il faut jouer en fait en difficulté élevée. Parce que si jamais on vous jouait en normal, honnêtement, je crois que l'argent, vous allez en avoir plein. De la nourriture aussi. Et toutes ces petites choses, en fait, vont être banales. Genre, l'ours qui pêche, on s'en fout complètement, quoi. Si vous avez genre 150 jours de bouffe sur vous, ça sert à rien. Mais nous, on est quand même limité en nourriture. Et même en argent, ça va vite. Donc du coup, dès qu'il y a un truc comme ça, c'est waouh, c'est top quoi. Alors au nord, auberge des monts Altis. Comté, région. Il y a une auberge, c'est ça l'auberge? C'est ça l'auberge. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les sangliers ou pas? Moi je dirais bien pour les sangliers. Et on en récupère des nouveaux. Je dirais pas non.
On en récupère des nouveaux. Un ou deux. Et il transporte et l'autre on le tue. Pas les brûler cette fois. Attends, peut-être mettre tout le monde au même endroit. Ils ont pas beaucoup de vie. Ça devrait pas poser trop de problèmes. Non mais moi je veux 8. 8. Ok. Peut-être comme ça. Faudrait l'engager. Il en faudrait deux au moins. Tiens, honnêtement, on peut mettre l'ours en plein milieu, ils vont rien lui faire. C'est... Maintenant que j'y pense, hein. L'ours il one shot tout le monde, donc c'est ce que je te dis. Essayer de capturer ces deux-là. Comment on fait pour les capturer? Pourquoi je peux pas les capturer? Ok. Ça a marché? Manqué. Putain! Comme ça. Okay, cool. Yes. Tyrannique, je sais pas ce que ça fait. Volonté augmentée de 2 tant que des prisonniers sont dans les troupes. Ok. Mec, quoi. Il n'est pas engagé, donc je peux pas, on est d'accord. Non, je peux pas. Qu'on l'engage. Enfin, il va se faire engager de toute façon. Thank you.
très bien. Après ces deux-là, ça sert un peu à rien d'avoir autant de cochons. Ah, par contre, ils sont niveau 1. Est-ce qu'ils vont monter de niveau quand on les aura? Parce qu'il faut qu'on en fasse des trucs pour la bouffe, en fait. Le poids un peu. Moi j'ai des succès qui arrêtent pas d'apparaître. Très bien. Très bien. Ok, nickel. Niveau 4. Ouais, c'est des niveaux 1. Fait chier. Ouais, donc faut pas. Faut pas les sauver ceux-là. Ce que je pensais qu'ils allaient peut-être monter de niveau et tout ça. Mais en fait, non. On peut même pas les tuer. On peut même pas les tuer. Ah, c'est du... Ouais, ça coûte cher en plus à garder. Ah, c'est con. On a perdu des drops au final. Je voulais... Maintenant, on sait. C'est pas grave. C'est de l'expérience. Puis en plus, je sais même pas comment ils montent d'expérience. Vraiment. Et en plus, c'est niveau 3. Moi, je pensais que c'était 2, mais c'est niveau 3 pour faire des sangliers d'élevage. Donc, non, on n'a pas le temps. Ça va nous bouffer 4 de bouffe par sanglier. Donc, ça va quoi. C'est bête, c'est pas grave. On va aller à l'auberge. C'est intéressant, là c'est la nuit, je voudrais bien tomber sur des fantômes. Là, qu'on teste. Ah oui, marcher à côté des cours d'eau. C'est bien, on est dans une nouvelle contrée et tout. Vraiment cool. Alors, faut voir l'auberge qui se passe un peu. Nouvelle auberge. L'aubergiste. Les étrangers, installez-vous, faites comme chez vous. C'est tellement rare d'avoir des nouvelles du monde. J'avoue que c'est très loin votre truc. Alors, porc, haricot et sel x2 pour du ragoût de porc, ça fait quoi? Maximum de points de bravoure augmenté de 1, dure jusqu'au prochain repos. On vient d'arriver, hein. Nouvelle mission, crime et chaos, ça va être un niveau 5. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, on peut le revendre et on gagne 240 à 400. Oh la vache. Genre en gros, ouais, on vole des choses et on dit après on les force à les racheter. C'est pas mal. Acheter pour 29, c'est cher. Mais ça, c'est vachement bien. Donc c'est 2 de porc, ça va. Et il faut des haricots. Des haricots, on en a récupéré juste... on peut se reposer par contre à la 161. Pour nous faire troupe, récupérer la fatigue ainsi que 3. Ah, et du coup, on n'a pas besoin de manger. Ah, intéressant. Ouais, parce qu'on mange à l'auberge en fait. Pas mal, pas mal. C'est vrai que maintenant, vu qu'on a un peu de facilité avec l'argent. Pas une facilité. Hein, il y a 200 de soldes hein, qui vont partir quand même. Hein. Alors, à moins que vous aimiez les marais puants et les moustiques géants, vous devriez rebrousser chemin. Ce qui vous attend au nord de Luden, c'est l'un des pires endroits au monde. Okay.
Des torches, de la corde. Il faut avoir de la corde parce qu'on en a utilisé du coup. 15. Ah, les pitons, on en a. Je voudrais parcourir le monde avant de m'établir. Inspecter les pays niveau 1. Non, c'est trop cher. De toute façon, on n'est pas là pour chercher du monde. Ah, attendez, il n'y avait pas des trucs. Oui, parce que c'est juste une auberge en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On se repose là? Putain, c'est 100 et quelques, je crois. Non, c'est 160. Non, non, non. Je préfère encore manger. On a des vivres. Bon, par contre, des marécages. Intéressant. Là on a de la forêt. Ah tiens, on peut pas faire un raccourci. Attends, on est où là? Ouais, là ça peut être un raccourci, je pense. Comme ça là. Fais voir. Nickel, on a un truc à apprendre. Ça. Donc il nous faudrait des haricots. Des haricots. Je sais pas comment on en récupère honnêtement. Aucune idée. Aucune idée. C'est que ça existe. C'est déjà ça. Il faut à tout prix du... tout prix du sel. Il nous faut aussi... faut... on va devoir aussi le tuer, le sanglier, au bout d'un moment. Il y a un trou au milieu de cette pièce en bronze, antiquité. Ça va, c'est cool. Ah, notre... ouh, on est à 219. Ça, c'est bien, chaque nuit, on récupère. Nuit. Ah, est-ce qu'il y a des... des trucs dans la forêt du coup. On va rester à côté du cours d'eau. Je sais pas si ça il peut récupérer des trucs. Il y a rien dans la forêt. Pas l'air d'avoir grand chose. Bon, on récupère des ressources, c'est bien. Ah! Barre x 3, mais ça tue. Ça tue. Les poissons, c'est quoi? C'est 4? Poissons, c'est 4, je crois. Pas ce frontier des brigands. C'est 4 donc. Donc, ouais, ça fait beaucoup à chaque fois. Alors, attends, on a un point. Le plan de carrière, ça m'intéresse, mais. Je sais pas. Pour le moment, je pense qu'on a besoin d'autre chose encore. Sens de la conversation. Hmm.
Peut-être la nourriture. Des brochettes de gibier. Ah, ça, ils en vendent plein des gibiers aussi. Sardines fumées. Sardines. Ouais, les gibiers, ils en vendent plein ça au magasin à chaque fois. C'est pas très... On peut en avoir une dizaine, facile. J'irai plus d'argent pour le moment. Pour la gloire. Qu'un influence avec le combat aussi, ça augmente. Ça augmentera. Bon, fais voir un peu votre. Votre saloperie là. J'arrive pas à monter. Est-ce qu'on va se faire sauter dessus ou pas? Sortir. Alors. La créature ne vous lâche pas du regard. C'est quoi ce truc quoi? Crocopore niveau 2. Inflige des dégâts à cible, lui applique saignement. Si elle saigne déjà, lui applique un de poison. Waouh. Quand celle-ci meurt, une nuée de moustiques se forme. The fuck. C'est quoi ces trucs? Bonjour. Bah alors, mercenaire, on veut pas payer les postes frontières, on traverse le mont Altis parce qu'on a pas de laisser passer. Heureusement qu'on est là, sinon la garde serait dépassée. Puis nous deux sœurs, on n'en parle plus. T'es sérieuse là? Ok. Qu'est-ce que je te dise, mais au bout d'un moment, si les gens ils nous hein. La vie est déjà assez brusque comme ça dans les jeux vidéo, je me laisse pas. Quoi. Donc on a Osburag qui est ici. Donc le braconnier. Braconnier tire des flèches. Notre ours. Ah, il y a des éclairs, faire gaffe. Quand on a beaucoup de gens à gérer, c'est faut quand même toujours bien réfléchir. Hein. Faut réfléchir un peu plus que d'habitude. On peut défoncer la braconnière dès le début. Ah, le braconnier. Ce taser, mais moi, il s'enfuit sous partir dans le nom. Ça va pas nous faire chier. Ah, j'ai mal joué. Enfin, dans un sens, c'est pas très grave. Je pensais qu'elle allait la one shot, donc ça va. Hey, tu viens avec nous. Tyrannique, Kirik. C'est bien ça. Thank you.
Ah, le bruit qu'elle fait, la lame, quand elle tape, ça résonne et tout. C'est vraiment cool. C'est vraiment sympa. Qui on a à côté? Bah non, ça marche en fait. Taurus a plus de pourcentage. Non, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on fait? On tue? Comme ça, on se prend pas de dégâts. Oh, il peut mettre protection à plusieurs personnes, du coup. Ça, c'est bon à savoir. Rostre de moustique. Étonnamment flexible et résistant, les rostres peuvent être réduits en poudre après avoir été séchés. Faut les sécher, d'accord. Tunique dehors la loi. Tourbillon sournois, on a une nouvelle bague. Je vais faire tellement mal, Will. Alors, les attaques à distance appliquent déstabilisation pendant un round. Garde réduite à 0. Ça, c'est ce que Méné, elle fait, le soutien acéré. Non, lui, il joue solo, lui. Will, il est plutôt joueur solo, donc on avait dit que ça, c'était vraiment bien, ça. Avec Harponneur, avec le G. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Personne se fait toucher, ça va. Ah, mais le truc aussi, il est mort, apparemment. Je me demande si on n'aurait pas pu le récupérer, lui. Je sais pas. Clé dorée, merci. Alors, on a une nouvelle dague. Pour hacker. Là, il fait du 17 à 22. Là, il ferait tourbillon sournois. Alors, applique 2 de poison à toutes les unités qui traversent ou terminent son tour dans le nuage. Inflige 15 de dégâts à toutes les unités dans la zone. Si cette attaque touche plusieurs unités, crée un nuage de poison. Par contre, est-ce que ça fonctionne avec les coups dans le dos? Par contre, je pense que ça peut être dangereux, en fait. En plus, ça fait moins de dégâts. Non, je crois que ça peut être trop dangereux, parce que si on... Parce que lui, le mec, il joue toujours genre derrière le dos des gens et tout ça. S'il y a plusieurs personnes de chez nous qui sont à côté, ça risque d'être un peu pourri. 15 d'armure, on perd de l'armure, on gagne un critique et des mouvements. Ah non, c'est bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, je pense que peut-être que la bestiole, on aurait pu la voir, le sanglier bizarre. Partir. Complètement nouveau. On a des cadavres là. Oh. Oh, le scimitar. Grand Falchion. Ouh. Grand Falchion de la fraternité. Quel coup. Fais voir un peu. Ouais, mais. Ah si, c'est une arme à deux mains. Attends. Alors, casse à tous les ennemis dans la zone. Si l'attaque touche au moins 2 unités, leur applique fragilité. Tempête. Zone 2 mètres. Ouais, non, mais... On va faire ça.
Ok, par contre, ça risque d'être peut-être un peu vénère là. Communauté de la lumière. Alors, je vais voir un peu ce qui se passe ici. Bonjour. Couper du bois. On arrive, on coupe du bois, on dit pas bonjour. Je pense que ça va être des fanatiques. Ouh, il y a un coffre là-haut. Cette chouette en bois, de l'argent, du tissu. Alors, la garde se fiche que nous disparaissions. Nous avons toujours été exclus des villes, mais de là à nous laisser sans défense face à des brigands. Je les ai tués, les brigands. La prêtresse, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Pardonnez-moi, je suis sur les nerfs. Le malheur s'acharne sur notre petite communauté. Autrefois, nous mettions un point d'honneur à accueillir des nouveaux venus dans la foi et la bonne humeur. Mais ces enlèvements, cela nous a rendus tellement méfiants. Les brigands s'attaquent à tous ceux qui osent s'éloigner de la Syrie. Rien que ce mois-ci, deux de nos fidèles ont été enlevés. Si vous les trouvez, mercenaires, ayant pitié de nous, ramenez nos croyants. Ça marche. Pendant la guerre, les missionnaires des droits ont converti de nombreuses personnes à la religion de la lumière. Mais depuis la trêve entre les deux royaumes, nos communautés ne cessent de se réduire. Marche. Enfin, tant qu'on arrive à récupérer de la nourriture et tout, et puis on a de l'argent, ça peut passer. Hein. C'est juste, ça va être. On peut pas rester des. Trop longtemps, quoi. Bon, on va camper ici. What? Un ours qui nous a attaqué. 5 ours! Dieu, c'est quoi ces trucs? Il y a des ours dans la forêt, quoi. On peut camper ici? Ça tombe super mal. Ok, ça va. Oh mon Dieu, le décor, quoi. Oh, on a perdu beaucoup, là. On a perdu beaucoup de bouffe. Mais 5 ours... niveau 8, non. Ça ira parce que après on peut mettre du feu et du poison, donc vu qu'ils ont beaucoup de vie en fait ça va leur faire très mal, ça c'est bien pour nous. Mais une baffe d'un ours ça fait mal, parce que rien que lui il fait très mal, il est niveau 5, donc niveau 8 non ça ira quoi. Bon on va peut-être pas rester là en fait. On va peut-être pas rester là, ça a l'air un peu dangereux. On peut peut-être aller voir vers les marécages, mais bon. Je suis pas vraiment certain que ça soit bien. Tout est 4 mètres là, 0%. Ouais, ça fait un peu peur. Ah, je suis dégoûté pour la nourriture. J'avoue que... J'avoue que... Ouais, non, j'avoue, ça fait chier. On va peut-être devoir rentrer, hein. On va peut-être devoir rentrer, hein, pour... Ouais, je pense. Le problème, c'est que... On peut plus... On peut plus faire de la nourriture... On ne peut plus que cuisiner, rien. C'est ça le problème. Donc on va devoir rentrer.
Allez, on va faire ça. Et ouais, à la prochaine. C'est dangereux ici, ça a l'air très dangereux. Alors, un objet volé au coffre a été blanchi. Connaissance du monde a augmenté. Bonheur, tout ça. Qu'est-ce que tu veux, Taurus? Avec mes prouesses lors du dernier combat, les autres doivent me considérer comme le meilleur d'entre eux, et ils n'auraient pas tort. Assurer ses propres compétences grâce aux faits, se réjouir de l'expérience, la relation. Je dirais les hauts faits, se réjouir. Ouais, il nous reste plus que une journée de. Je pense qu'on va partir. On va peut-être regarder un peu le niveau des monstres vite fait. Mais s'ils sont tous 8 plus, ouais, on se casse quoi. C'est bizarre, c'est que les gardes, les brigands, ils étaient super haut niveau, super bas niveau, alors que les autres, ils sont super haut niveau. Donc ouais, je sais pas. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.